Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, on est au Marmouset, ok, CLM 94, ça se passe bien, on a une très belle journée, il fait beau, on est en train de tester les nouvelles fusées avant avec les nouveaux renvois de direction sur le Techno B48 2.0, pardon. Bah franchement, je trouve qu'il est beaucoup plus vif, on a beaucoup plus de possibilités de réglage sur la directivité de la voiture. Moi ça me plaît, en tout cas ça me convient, j'ai ressenti un gap. Je dois même la calmer un petit peu, peut-être que je vais monter le diff avant. En tout cas, là pour l'instant, je suis sur des réglages de géométrie, je les teste, ok. Donc j'ai reculé du coup la Kerman pour que ça passe, mais j'avais une voiture beaucoup plus directive et ça m'a plu énormément. En parallèle de ça, je suis en train de tester pour la première fois en session, en run, le RC10 chargeur. Concrètement, je fais des cycles à 40 ampères et ça se passe bien. Ça va très vite pour la charge et la décharge. Enfin, le cycling fonctionne extrêmement bien. Niveau température, je suis pas mal sur la queue. Là, je vais faire mon petit reporting. En fait, ça descend. Et j'ai vraiment ressenti plus de constance sur mon pack. Il est plus puissant et plus longtemps. Et ça, manifestement, c'est un régal. Parce que des fois, en fait, la différence de puissance, ça change le pilotage. Ça peut être un peu déconcertant. En tout cas, j'ai vachement apprécié ce premier avantage, ce premier ressenti avec cette solution. Ça me va très bien, manifestement. C'est une vraie promesse. On ressent plus de constance à l'utilisation du pack. Et je tourne avec un seul pack. Un pack qui a déjà eu pas mal de charges. Donc, ce que j'ai fait au début, c'est que je l'ai chargé en cycle décharge-recharge à 20 ampères. Puis je suis monté à 30 et là maintenant, je passe régulièrement sur 40, sur des cyclings en 40 ampères. Et ça va très bien. Ça va très très bien. Pas de gonflement, nickel. Donc je vais continuer sur cette lancée. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner ce run ensemble. Ok, on a fait des petites modifs sur la voiture encore une fois. On va bien serrer les pneus, la base. Donc deux choses qui me font extrêmement plaisir aujourd'hui. Ces nouvelles fusées avec ces renvois de direction carbone qui me donnent vraiment plus de possibilités de gestion de la direction et de sa vivacité, de son efficacité sur le train avant. J'ai roulé en Rapid XS le matin, la piste était trempée. Ensuite je suis parti sur du Magma 2.0. En vert, là maintenant je tente l'inter parce que c'est le moment, je pense. Et une bonne ambiance. Ça c'est cool. Oh, là ça attaque un peu là. Yes, c'est parti. Z, t'es là? Z, on le voit pas, il est là-bas au bout des stands. Je sais que t'es là, Z. Il peaufine les doigts de son petit et il prépare la prochaine compétition, le premier acte du championnat Donut Racing se jouera au Marmouset. Un petit pack rapide. Et on voit ce qui se passe. Et ma foi, ça me va très très bien. Attention là-bas, tu vois pas, mais il y a des petits oups. Alors, elle est toujours aussi vive. Je suis descendu d'un point d'un carmel. Regarde, tu vois, j'ai même été surpris par. Oh, ça a giclé. J'ai mis un petit coup de gaz seulement. Là, je suis en pneu inter. J'espère que ça va. C'est pour que ça me donne pas trop de latéral. Tu vois comment la voiture, pardon. Ah là, on commence à prendre des coups de latéral, effectivement. C'est parti, on va avoir du latéral à fond. Là, je suis peut-être un peu trop tendre maintenant sur les hydros. Oh, elle bombarde la voiture. Elle me surprend là, faut que je me concentre un peu. Pas évident, je vous l'ai dit, de piloter et de commenter en même temps. Donc là, ouais, voilà, regardez, vous voyez, si je tourne un peu trop même, c'est un peu trop féroce. J'ai de la directivité, vous l'avez senti. Pour ceux qui ont déjà vu le techno évoluer sur la chaîne, il n'a jamais braqué aussi fort. Il encaisse, hein. Je te compte plus le nombre de packs hein, sur cette machine. Ouais.
Oh bah là j'ai pris un coup de latéral de l'espace. Erwan, s'il te plaît, au bout là-bas. Merci. J'ai pris un latéral mon frérot. Au cap. Ah là ouais, j'ai pris. Tu as vu? Je vais revenir sur les autres pneus. Ouais, je suis d'accord. C'est exactement ce que je vous disais. Donc c'est un latéral que j'avais pas tout à l'heure et là j'en ai énervé. Ouais mais là j'en ai énormément là. Il va falloir qu'on rentre au stand de régler ça. On va essayer de faire le pack. Écoutez. Ouais là c'est compliqué. Ils sont... J'y allais tout doucement. Ah oui. C'est du latéral de l'espace les gars. Sauf que j'avais pas du tout à l'heure. Là, je vais adoucir la conduite. Je fais du rock slide, ça s'appelle, du grind. Allez, on se concentre. Attention latérale ici. Il faut que je sois plus progressif sur la direction. Sinon, latérale à fond. Allez, plus progressif, on se concentre. Attention à la sortie d'un double. Ah bah merde. Vas-y toi nous, fonce. J'ai pas bien écouté son message, attention à la sortie de la double, bah tu vois. Pas concentré, donc boulette. Plus sur le comportement de la voiture. Allez, ah ouais là ça... Là la piste n'est plus du tout la même. On va réfléchir au niveau pneu. Là, du coup je prends un peu plus large. On va essayer de s'habituer progressivement. Je pense qu'on va faire quelques fautes sur ce pack. Là c'est la seule partie qui est encore glissante. Ah, petit rebond. C'est trop attaqué. Ah, j'ai pas de marche arrière là. Faut que j'arrive à monter dessus. Je peux mettre une touchette.
Ouais, super, bien wesh. Bien joué, merci beaucoup. On peut pas. Je veux. Attention dans la deuxième double vol. Oh là là, c'est pas du tout comme le brochet. Imaginez la voiture. C'est toi qui es là en 5 minutes ? Non, non, moi je suis. Je roule. Ah ouais. Il gueule un peu trop. Il gueule un peu trop. Il y a l'embrayage. Hein? Il y a l'embrayage. Allez là-bas. Voilà. La rentabilité, merci Michel. Oh là 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 là. Oh là là là. Bon, on dirait moins. Oh, j'ai pas de train par rapport au brochelet. C'est marrant là. Hein?
suis en casquette partout. Oh merde. Oh la faute, dommage. Mais quel dommage, vraiment. On était parti, on était bien. On avait pris la confiance. Et puis, bala boum boum. Pas mal du tout la caisse. Mais bon, les marmousets, le latéral, quand ça fait. El Castico. Alors, on va essayer de se concentrer là. On est large là. Oh dommage, on était pas mal là. Oh non, dommage. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Magnifique complexe quand même. Hein. C'est la classe. Hein. Regarde où on est notre cycle. Oh, on est, tout est pratiquement... C'est hyper équilibré. Oh, les résistances, elles ont jamais été aussi basses. Elles continuent de baisser au fur et à mesure des utilisations sur cet après-midi. C'est vraiment top. Je suis en charge. Ah, c'est bientôt la fin là du cycle. C'est bientôt la fin du cycling là. Excellent. Je vais changer de batterie de caméra et on va partir les gars. Ok, le cycle de charge est terminé. Je tourne avec un seul accu. Un seul. C'est assez ouf. Toute la voiture va bien, elle est saine. C'est incroyable la solidité, la longévité de mon châssis là. Je suis systématiquement surpris. Le pneu étant usé un petit peu, je vérifie la garde au sol, normal. Plus moins. Radio, on est déjà connecté. Je tiens le châssis. Carrosserie.
contact. On va repartir là. Essayer de vous faire un petit pack sympa. C'est beau, on a de la chance, on a une belle journée. On a des belles personnes avec nous. Une très bonne ambiance. On est ravis. Roulage. Donc ces fusées là me plaisent beaucoup. Je suis assez étonné. Il faudrait que j'essaye les autres renvois de direction carbone pour que l'expérience soit totale. Nice. Ouais, je suis là. Le silver, c'est incroyable. J'ai failli les emmener, mais... T'en as ? J'ai failli les emmener, non, j'ai pas emmené mes silver. C'est ton côté, j'en ai. On essaiera, ouais, après, prochain pack. On va y aller doucement, parce que la cul, elle a la patate, là. Elle est incroyable. Oh, elle s'envole. Par contre, tu vas dans l'air, il faut attendre deux tours avant que ça sèche. C'est moi, j'ai été un peu... Voilà. La cul, là, il est surpuissant, c'est incroyable. Incroyable, non, j'ai... Les cycles là, ça. Il a tellement de patates au début là, je suis obligé d'être super souple sur les gaz que ça gicle. Allez, faut se réhabituer là. Oh, mes pneus sont fatigués, j'ai gardé des pneus usés exprès là. Les gars, voiture, on est au milieu là. Quelle table ? La table du fond. Oh ouais, là, je sens que ça. Oh, qu'est-ce qu'elle gicle la voiture, mais... Oh, cette patate qui est là. Oh là là, la patate de la voiture. Oh, c'est impressionnant. Je dirais que la cul est dopée, c'est dingue. Oh la vache. Pardon. Waouh. Non, vas-y, c'est pas grave. Ah, c'est bon, là, je suis bien là. Excuse. Non, non, je t'en prie. Rapide pour la chose. Fasse très attention. Oh, la voiture, elle est bien. Bah, j'ai été doux là. Et moi, en te parlant, qu'est-ce que je fais ? Je prends la table. Je me suis dit, faut pas que je force trop et. Ouais, j'ai peur des coups de latéral là. Tant pis. Avec le silver, c'est plus aucun latéral par contre. Hein ? Avec le silver, c'est plus aucun latéral, t'as tendance à glisser même. Au latéral, hein, c'était vraiment latéral. Pas de risque. On est passé, c'est bon. Oh merde. C'est toi P2 derrière moi, en thermique. Juste sur la table, juste ça dormit pas. Sur la table en bois. Il y a un monsieur qui va vite.
Oh, attention, j'ai vu une voiture là, attention, fais attention à toi. Je suis derrière. Il y en a une là d'arrêter. Caché par le monsieur qui l'envoie. Sur la table, faites gaffe les gars. Ouais, je suis au-dessus. Là, c'est le coup de gaz que j'ai voulu mettre en trop, ça. Merci. Oh non! Oh non! Là je vais. Non, on va pas y arriver. Oh, allez. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est joli ça. Allez, on se remet dedans là. Hop, c'est parti. Allez, une voiture à la corde, attention. Voilà, attention. Attention, bout de ligne droite. Ouais, putain, attention les carnages. Oh, c'est le bordel. Allez, on est reparti. Allez, aussi.
Parce qu'on prend la vigne à droite. Oh là là, j'essaie trop de... Je surfe un peu trop là-bas. Là. Ça, ça doit casser des trucs là. Bonjour. Bonjour, enfin. Non, laisse, laisse. Juju. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Toi, nous. Ah là, je force le pilotage complet, je vais rentrer. Bon. Ah ouais, j'ai été chercher de l'herbe, les gars. Parce que je lui mets à la voiture, parce qu'elle encaisse. Elle est incroyable cette caisse. Vous voyez en direct ce qui se passe là. Vous vous dites mais que fait-il? On va cycler. Presque 88, c'est parfait. On s'est arrêté au bon moment. Je prends mon programme à 40, on cycle. J'active le régénératif. Bim! C'est parti les gars. La petite sonde, je mets contre, je viens plaquer dans le sac lipo, il me donne la température, ça me permet de monitorer un petit peu ce qui se passe. On est très bien comme ça, on va repartir pour un prochain pack, c'était super, c'est le kiff total.